Je suis professeur agrégé d'histoire et j'enseigne au lycée La Canale de Sceaux. La transmission des savoirs et des expériences est pour moi quelque chose d'important. Ce livre est le fruit d'une expérience singulière que j'ai vécue autour de la maternité. J'ai longtemps été ambivalente quant à la question de l'enfant. Je n'ai pas voulu faire un enfant sans père à mes côtés, mais cette quête a été longue et difficile. À 41 ans, une belle rencontre m'a enfin autorisée à devenir mère. Nous avons d'abord été persuadés de devenir parents au creux du lit, à la fois parce que les médias entretiennent l'illusion de grossesse tardive, de grossesse naturelle tardive, mais aussi parce que nous nous sentions jeunes. Rapidement, nous avons consulté, parce que nous étions conscients d'être plus âgés que la moyenne de ceux qui cherchent à devenir parents. Et c'est ainsi que nous sommes entrés dans un engrenage, dans une médicalisation qui est devenue au fil des mois de plus en plus lourde, intrusive, qui nous a dépossédés de tout autre projet, qui a mobilisé toute notre énergie. Mon corps a été soumis à d'innombrables examens, traitements. Notre couple a été violemment heurté. L'ensemble de notre vie a basculé. Nous sommes devenus captifs de notre projet d'enfant. La découverte de mon exposition in utero au distilbène a encore compliqué mon accès à la maternité, autant que ma relation à ma mère. Je suis devenue membre du réseau DES France, qui défend, qui informe et défend les victimes du distilbène. Le point culminant du livre décrit notre recours au don d'ovocytes en Espagne. Nous sommes devenus des spécialistes de l'infertilité. Nous avons réuni beaucoup d'informations. Notre projet d'enfant est devenu exclusif, obsessionnel, maltraitant. Et alors que les séances de psy ne me suffisaient plus, je me suis mise à écrire. J'ai d'abord écrit pour moi, égoïstement, pour soulager ma peine, pour prendre du recul par rapport à un quotidien qui était devenu écrasant. Ensuite, et rapidement, je me suis mise à écrire aussi pour l'enfant, pour qu'il puisse avoir accès un jour aux origines de sa conception, s'il le souhaitait. Ensuite, je me suis rendu compte aussi que mes mots pouvaient aider d'autres personnes, inconnues, isolées, également frappées par le distilbène, par leur infertilité, et que j'éprouvais un certain réconfort dans ce partage, et dans cette transmission. Ce texte a d'abord été un simple journal de bord. Je me suis mise à écrire quelques semaines après les premiers transferts embryonnaires en Espagne, en constatant que les choses étaient bien différentes de ce qui nous avait été présenté par les médecins français ou les cliniques espagnoles. Le premier jet est sorti en 4 jours, au cours desquels j'ai déposé environ 70 pages. Je n'ai pas relu, je n'ai pas écrit pendant 4 mois. Entre-temps, il s'était passé d'autres choses pénibles, et il fallait procéder à une autre purge. Il y a eu au total 5 ou 6 périodes d'écriture, avec des intervalles de décantation, de mûrissement. Ce livre est original à plusieurs titres. D'abord, il est très didactique. On peut dire qu'il vulgarise les techniques d'AMP, d'assistance médicale à la procréation, la réalité du vécu des couples, les forums d'infertilité, le monde associatif, la problématique du don d'ovocytes à l'étranger, la loi de bioéthique, les questions du distilbène. Il part de ce que j'ai vécu et il le relie en permanence aux autres. Ce livre s'inscrit en lien direct avec l'actualité, parce qu'il permet de mieux comprendre les débats politiques et sociaux autour des questions de la famille, toutes ces questions qui ont été hâtivement présentées, souvent mal perçues par le public. Il y a différents niveaux de lecture. Chacun y portera son propre regard. Y glanera quelque chose d'enrichissant. Ce livre est original aussi parce qu'il présente de l'intérieur l'univers plus contrasté de l'AMP. Il donne la parole à ceux qu'habituellement on n'entend pas, aux oubliés de l'histoire, à ceux que les médias ignorent, ceux que les médias, les publications ignorent dans leur présentation glorieuse de l'AMP. Son dénouement est inattendu, élégant. Il est original enfin parce qu'il se lit comme un roman, avec beaucoup de suspense. Il est triste, sans jamais être pathétique. Il fait preuve d'humour, parfois. Il laisse son empreinte dans le cœur des lecteurs. Ce livre vise un public très large. Il s'adressera d'abord aux personnes diagnostiquées infertiles. Ça concerne environ 16% des couples en France qui ont recours à l'AMP.
Ces personnes vivent leur infertilité comme une blessure profonde. Ils se sentent souvent seuls et incompris. Ce livre est une reconnaissance de la réalité de leur vécu. Ils y reconnaîtront les acrobaties continuelles auxquelles ils se livrent en conjuguant leur vie professionnelle avec l'AMP, les détails des consultations médicales. Mon histoire assurément résonnera avec la leur. Leur voix et leur dignité, si elles ont été altérées, en seront restaurées. Ce livre les aidera, je l'espère, à déterminer les limites. Il n'est pas facile de sortir de là sans se perdre. Ce livre s'adressera aussi à l'ensemble de leur entourage, leur famille, leurs amis, leurs collègues, tous ceux qui sont témoins de leur enfermement, tous ceux qui se sentent impuissants, qui veulent bien faire et qui prononcent parfois des paroles maladroites, qui aimeraient mieux les accompagner, mieux les envelopper, leur témoigner la bienveillance dont ils ont besoin. Assurément, et le choix de l'éditeur le confirme, ce livre s'adresse à tous les professionnels de ces questions. Les laborantins, les secrétaires médicales, les médecins gynécologues, les généralistes, les pédiatres, les psys, les philosophes aussi. Tous ceux qui par leurs mots, leurs regards, leurs pratiques blessent, parce qu'ils ne soupçonnent pas ce que ces personnes vivent. Ceux qui d'entre eux m'ont lu en ont été enrichis. Ils ont dit avoir accès à ce qu'ils n'entendent jamais. Mon premier lecteur a été Raymond Aubrac, qu'il a lu à 97 ans, qui n'était en rien concerné par ce sujet, qu'il a lu en une journée, et qu'il a trouvé, je le cite, passionnant, bouleversant. Considérait que je ne pouvais pas le garder pour moi, qu'il incarnait une forme de résistance. Ce livre s'adresse donc à tous, hommes et femmes, de tous âges. Il a un caractère universel. Il nous interpelle tous parce qu'il parle de l'enfant, celui qu'on a été, qu'on est parfois encore même tardivement. Il parle aussi des parents, ce qu'on a eu, ce qu'on a peur d'être, ce que l'on rêve d'être. Il explore la relation parent-enfant. Il s'adresse à tous les gens curieux de la vie. Il est une histoire de vie.